Coucou tout le monde, donc je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur mes dernières créations, enfin celles qui ont été faites plus récemment ou pas. Cette vidéo m'a beaucoup été demandée, donc je m'exécute, j'espère qu'elle vous plaira. Et c'est parti! Donc ici vous avez les bagues, donc comme vous pouvez voir la boîte c'est de l'artisanat, hein. Je l'ai fait moi-même, donc de la mousse que j'ai sectionnée pour mettre les anneaux des bagues, une boîte de récup, donc ici on a des gaufres, pain au chocolat, etc. Un mix de fleurs, deux oréos et des bagues en cabochon vert. Je trouve ça super joli, après on aime ou on n'aime pas, mais je me suis lancée un petit peu là-dedans. Donc voilà pour les bagues. Donc on continue avec ce présentoir là, donc ici vous avez les petits pots Nutella avec la tartine, le petit couteau, etc. Donc cette photo là je l'avais postée sur la page Facebook, je vous laisserai le lien en barre d'infos. Vous pourrez retrouver donc toutes les autres photos. Ici j'ai donc refait ma paire de petits pois, fille, garçon, une petite vaisselle miniature, voilà. Donc ici je n'avais pas assez de présentoir, c'est le rab, on va dire ça comme ça. J'ai fait des petits bonhommes de neige comme ceci. Je vous ai préparé le tuto, mais ça je vous posterai vers Noël. Hein. Des petits magnums, alors avec une ganache différente, des carambars, des petits pains au chocolat, des petites bouteilles de coca. J'ai fait aussi ces boucles d'oreilles là, mais je vais vous les présenter sur le présentoir. Une petite cuillère avec une tranche de canne et une perle fimo. Donc voilà pour ce présentoir-ci, enfin cette partie-là. Je continue avec les boucles d'oreilles, donc ici des poires, une petite pelote avec les aiguilles à tricoter, des gros macarons. Là j'ai fait un mix croissant, pain au chocolat, carambar, toujours les magnums avec la ganache qui change. Vous voyez donc là c'est les petites boucles d'oreilles que je vous expliquais avec une tranche, oups, pendante. Voilà, je trouvais ça frais, mignon. Bouteille de coca, donc là j'ai fait plusieurs autres fruits, des petits pains. Donc je continue avec la série des petites boucles d'oreilles. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai fait encore des cabochons. Alors il y a des bronzes et des argents. Donc après les images diffèrent évidemment. Là il y a le reflet. Ici on a les puces. Donc des petits chats pommes. Je trouve ça mignon. Des petits biscuits, des tongs, des mini macarons, des roses. Hop, des comment ça s'appelle, cookies pardon. Différents donuts, Hello Kitty, encore des macarons. Donc là ici c'est des puces évidemment, c'est marqué dessus. Donc ici on retrouve les embouts en plastique pour les boucles d'oreilles. Ici j'ai fait quelques plugs, donc voilà, avec des formes, des créas différentes. Bon, c'est surtout en résine, hein. Du chocolat, des petites mailles à l'abeille, etc. Donc ensuite je passe au collier. Donc sur des chaînes billes j'ai monté des petits donuts avec des décos différentes sur une petite fourchette. Donc ici on a le bleu, le rose et le marron. Voilà. On continue toujours avec les colliers, toujours sur chaîne bille. Donc j'ai fait des colliers carambars et traditionnels. Hein. Un petit collier à la framboise, un petit biscuit, générateur de sourire et ma petite pépé dans son bain. Avec ses petites bulles. Tout ça monté en collier. Voilà. La suite. Donc je vais finir avec la série des colliers. Donc vous pouvez voir, j'ai monté sur une grosse cuillère chantilly et perle. Ici on a une perle fraise, kiwi et pomme. D'ailleurs je me suis fait un collier pomme pour moi-même. Monté sur un maillon comme ceci. Et c'est un collier, on va pas dire ras de cou, mais court. Voilà. Et on va finir par une série de bracelets déjà montés. Donc ici j'ai fait un cookie multicolore, mais pas beaucoup de pièces hein, pour celle-ci. Ici on a des M&M's croqués, donc j'ai essayé de mettre les bracelets en conséquence. Ici j'ai fait plein de petits cupcakes, alors chaque bracelet a une breloque. Donc ici c'est une cuillère avec une petite banane qui se référencie à la déco. Voilà, un petit lapin. Voilà, donc divers et variés. J'en ai fait également sur ce présentoir-ci. J'ai fait les petites barbes à papa, alors unies ou bicolores, et des petits millefeuilles fruits chantilly. Voilà pour les bracelets.
une petite vue d'ensemble. On continue avec les porte-clés. Donc j'ai fait des malabars. Je vais les mettre dans la boîte en face au fur et à mesure. Donc, voilà. Celui-ci, vous le connaissez. J'ai fait le tuto. Il est énorme. Un petit cupcake. Barbapapa. De glace, de cône glace avec des breloques. Encore le générateur de sourire. Des petits straps biscuits choco. Un croco. On continue. Deux petits straps Calimero. Hop, le 1, le 2. J'ai fait une lollipop. Un petit biscuit. Grelot haineux. Un mignonne monté donc en porte-clés avec les breloques. Le bisounours que vous avez vu récemment. Et mon petit koala monté sur un cœur, je trouve trop mimi. Alors on continue, donc ici on a un pain donut. Voilà, voilà. Là ici c'est les broches, donc le cœur de zombie que je vous ai montré en tuto, donc je l'ai monté en broche. La petite fille dans son seau et sa pieuvre sur sa tête, c'est une broche aussi. Toujours en broche, un croco, un ribot. Et ici, je n'ai pas fait le tuto, mais vous pouvez voir la photo sur Facebook. Donc, une petite part avec son araignée, un squelette, un muffin champi astico, collection Halloween. Ici, on a les marque-pages. Donc, comment ça s'appelle ? Barbapapa, pardon. Et j'ai fait deux petits papillons similaires en marque-page. Ici, sur chaîne bille, deux sautoirs, donc ils sont assez longs. Donc Charlotte aux fruits, donc ici surtout fruits jaunes, fruits verts, ici fruits rouges. Je sais que il y a déjà beaucoup de tutos là-dessus, mais j'ai quand même filmé une création. Donc je vous posterai le tuto incessamment sous peu. Et on va finir donc avec mes créas perso, je vais vous montrer ce que je garde et comme ça vous aurez un petit aperçu de ce qui me plaît dans mes créations. Donc comme vous pouvez voir, donc ici c'est un support que j'ai percé moi-même, j'ai eu ça à Cultura, me demandez pas quand et quel prix, je ne m'en rappelle plus. Donc des petits biscuits, des donuts, des petits macarons violets choco, mes cookies, des petits hibiscus et de la gentille. Donc ça c'est pour les puces que j'ai gardées pour moi. Ensuite ici on a les bagues, alors mon petit panda que j'adore, ma bague gentleman cookie, une gaufre chocolat chantilly, vous avez dû déjà voir, petit biscuit sur une mini vaisselle, pardon, un oreo, ça c'était une canne que j'avais ratée. Bref, je trouvais ça quand même l'effet sympa, vous voyez, du turquoise, du beige, du marron. C'était une canne ratée, mais je trouve que c'est son petit effet. Bon, bref, on aime ou on n'aime pas. Ma citrouille, bientôt portée, évidemment, c'est bientôt Halloween. Encore une bague canne. Ma Charlotte orange fraise. Donc, comme je vous ai dit, vous aurez le tuto. Hop. Ma petite abeille. Un petit biscuit tout simple, sur un anneau tout simple. Ici, c'est une bague en verre, ça n'a rien à voir. Donc voilà pour les bagues. Ensuite, des pendentifs. Donc vous avez le petit biscuit, hein, comme d'habitude, le générateur de sourire. Et ici, le fameux effet quartz. Voilà, je l'ai monté sur un cabochon. Je trouve ça mignon. Ensuite, vous avez mes baguettes à chignon, donc sur des vraies baguettes. Sushi Maki, ça vous avez le tuto dans la liste des tutos. Alors, pour faire vite et bien, donc mon strap Converse, le petit chaudron vous connaissez. Ici, on a la petite sirène. Ici, c'est un collier. Alors, j'ai les photos sur Facebook. C'est des petites pommes. J'en avais fait une seule verte. Je trouve ça sympa. Une broche petit déjeuner. Ensuite, ici, vous avez une fiole bonbon, mon petit rilakkuma phosphorescent. On continue, on change d'étage. Mes petits bonhommes de neige avec les grelots, comme vous pouvez entendre. Pain chocolat. J'ai fait des cupcakes gentleman.
Hop, ça je l'ai posté récemment sur Facebook, pardon. Et vous les avez vus aussi à la vente. Et en dessous, on a des petits macarons chocolat. Hop. L'étage du dessous, on a des fraises tagada, alors une croquée et une non. Des cintres, alors ça je trouvais ça super beau, je l'avais vu déjà sur internet, mais alors où et qui l'a fait, je n'en sais rien, je suis désolée. Je vous ai fait le tuto, je trouve ça super mignon et original. Les petites bûches de Noël avec le petit grelot et le collier qui va avec. Ici j'ai fait un petit beurre. On va changer, on va passer par là. Et donc sur le dernier présentoir, donc on a des tablettes de chocolat, mes petits pois, vous avez déjà vu en tuto. La mini vaisselle avec un autre effet croissant, toujours mini vaisselle, pain au chocolat, tartine de choco. J'ai fait un collier moustache comme ceci. Ici on a, regardez pas le bordel qu'il y a derrière, des millefeuilles, donc chantilly, chocolat, fraise. Ici pareil, des petits gâteaux fraises, nappage. Hop, comme ceci, donc j'ai monté sur des longues avec des perles. Ici on a déjà vu, donc les pommes d'amour on s'en fout. Encore de la mini vaisselle. Ici le collier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc moi j'ai fait avec une pomme pour moi. Ma charlotte aux fruits, donc pareil, c'est la même que la bague. Donc vous avez vu sur un sautoir avec un pompon rouge assorti aux couleurs de la charlotte. Un bracelet Magnum, un bracelet M&M's. Donc moi j'ai gardé le jaune. Donc là, si vous vous rappelez ma bague, que j'avais dit que c'était raté, bah, je me suis fait des perles en boucle d'oreille. Donc, je les trouve mignonnes, ça fait une belle petite parure. Et pour finir, bah, des fioles avec des microbilles sans aucun intérêt, toute simple. Ah, et ici, je ne vous ai pas montré les petits magnums qui vont avec le bracelet. Voili, voilou. Et pour finir, je vais montrer donc mes créas perso. Donc celle-ci, vous avez dû la, enfin, vous avez certainement dû la voir en tuto. Donc ma petite sorcière que j'ai montée en aimant. Je les ai découpées pour que ça ne se voit le moins possible et que ça tienne surtout. Donc ça, ça se trouve sur mon frigo. Ainsi que mon petit mignon. Hop, j'ai mis un aimant, un petit rond comme ça. Des petites breloques à son pantalon. C'est pareil, c'est direction mon frigo. Et la dernière créa que j'ai fait, donc ça va être une participation concours, donc vous allez le voir bientôt. J'ai pas filmé, mais je vous la montrerai sur Facebook en photo. Donc j'ai essayé de faire un plastron army. Enfin bon, bref, moi ça me plaisait. J'espère que ça vous plaît, dites-moi. Assez vieilli. Enfin, voilà mon petit délire. Donc voici la vidéo, donc tant attendue, les dernières créations. J'espère que ça vous plaît. Laissez-moi vos commentaires, n'hésitez pas à me poser vos questions. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde.